États-Unis, la croissance au plus haut. La croissance américaine est en forte hausse. Photo d'illustration, la bourse de Wall Street, à New York. Pixabay, la croissance aux États-Unis a dépassé la barre des 4% au deuxième trimestre 2018, sa plus belle performance en 4 ans. Réduction des impôts et anticipation sur la taxation des exportations ont dopé l'économie américaine. La réduction des impôts a dopé la consommation des ménages aux États-Unis au cours du deuxième trimestre. Une performance que ne manque pas de s'attribuer l'administration Trump et ses mesures fiscales prises depuis la fin 2017. I am thrilled to announce that in the second quarter of this year, the US economy grew at the amazing rate of 4,1%, pic.twitter.com/xeapoaoxendonaldg. Trump, @realDonaldTrump, 27 juillet 2018. La consommation des ménages a progressé de 4%, surtout en biens durables et particulièrement dans l'achat d'automobiles. La guerre commerciale engagée par Washington contre ses partenaires chinois et européens a paradoxalement dopé les exportations. En effet, les clients étrangers, notamment les Chinois, ont anticipé sur l'imposition de taxes sur les produits américains, en rétorsion aux taxes américaines sur l'acier. Ils se sont dépêchés de se faire livrer. Les exportations américaines de produits alimentaires, de boissons, de nourriture pour le bétail et surtout de soja se sont envolées. Mais la réforme fiscale du président Donald Trump, qui réduit l'imposition des entreprises de 35 à 21%, a également eu pour effet le rapatriement des bénéfices des filiales américaines à l'étranger par leur maison mère. Les investissements directs américains à l'étranger ont notablement chuté au cours du premier trimestre.